Salut les mobeurs. Donc aujourd'hui on est à Saint-Hilaire-du-Lusignan. Donc il y a une bourse, une balade, il y a les petits concours de burn, des trucs à la con, petite soirée le soir. Et le lendemain, il y a une course de mob cross de 6 heures d'endurance. C'est parti. Un Ayrton en 72. Je sais pas, le moteur il a démarré hier, c'est en rodage. Mais ça devrait, ouais. Très bien réglé. Parfait. C'est riche à mort. Blop, 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 blop. Hein? Ouais, hier, ouais. C'est ça. Après, honnêtement... C'est ça. Mais moi, je n'ai pas censé la prendre. Je me suis dit, bon, je vais y bricoler dessus, puis voilà, quoi. Et puis hier, tout compte fait, j'ai roulé, je fallait plein que je la prends. Hein? Tu les veux? Alors tu te fous de ma gueule comme quoi t'es mes lunettes elles sont laides et puis tu comptes tu me les piques. Au max et après faut couper les moteurs. Elle démarre pas ? Merde. C'est le carbu qui s'est sorti. Désolé de te faire chier, il y a une autre corde de droit là. Oh, il y a la caisse à outils, oh. Ça c'est pratique, hein. Merci beaucoup. Coupez les moteurs ! Bénisse et mobilette et ceux qui s'en servent. Envoie à leur côté tes saints anges afin de les préserver et de les garder du péril. Qu'ils fassent route en toute sécurité, qu'ils fassent preuve de prudence pour la sécurité des autres. Montre-leur chaque jour le chemin du salut afin qu'aidés par ta grâce, ils envoient un quart. Et tout ça c'est fini. Ouais. Fermez le jaune. Pourquoi qu'un? Ouais. Pourquoi qu'un? Oh non, plein. Ah. Ah, il pleut. Attention, mon cornet, il prend l'eau, hein. Et nous, tu prends l'eau dans sa barbe, elle frise. Ouais. C'est vrai qu'on paye, là. Non. Voilà. Merci, monsieur. Être béni. Là, on gagne 10 km. Hein. C'est ça. Chouette. Vous, ça va pas trop changer, mais moi, oui. C'est vrai que toi, vu ton origine. Sont parfaits.
des gravillons. Réglé avec le cul, elle s'engorge. Avec le cul en même temps. Elle n'aime pas rouler doucement. On va voir si c'est mieux. Thank you.
que tu finis ta balade, je nique les bougies les unes derrière les autres. Tu es trop riche. Tu vois, elle roule bien. T'as vu bien. Là-bas.
J'ai eu peur de t'avoir perdu, j'ai fait tout le tour, je te voyais plus, je t'ai pas vu en fait quand j'ai fait demi-tour. J'ai flippé, je me suis dit putain, vas-y, elle est en panne. Et elle va me dire, tu m'as pas attendu, machin, je vais me faire défoncer. Je suis là, moi. Tant mieux, c'est cool. Hein ? Incroyable, c'est bien Beka. Ouais, sauf que t'as des éclats dedans. Ah non, c'est Caillou ? Ouais. Fais attention. Putain, je fais que niquer mes bougies, je suis obligé de changer de bougie entre temps. Le temps qu'une refroidisse. Ah ouais. Ben en fait, j'utilise les deux mêmes, mais j'alterne. Ouais, ça marche, ouais. Je pensais pas arriver avant toi, moi j'ai vu que t'avais eu un problème. Eh non, moi j'ai. En fait, tu veux, quand j'ai fait demi-tour pour voir où est-ce que t'étais quand j'ai pris de l'avance, je t'ai pas vu. Et donc, il me dit, putain, elle a un panne quelque part. Ben non, je suis là. Putain. Je suis arrivé avant toi. Oh, ça va, ça a bien roulé ? Ouais, ouais, ouais. Nickel. Les derniers virages, ils sont un peu plus compliqués, j'ai eu du mal. Ouais. Et ça va, t'as bien roulé sinon ? Oui, tu l'as, quoi. Parfait. Moi, ma fourche elle bloque, faut vraiment que je la reprenne quoi. En même temps, t'as voulu tenter avec celle-là alors. Ben, c'est une fourche gratuite qu'on m'a donnée, donc forcément, quand c'est gratuit, il y a des problèmes. Ah oui. Faut que je la démonte et que je regarde. Ah ouais, c'est une hydraulique quoi. Elle roule que depuis hier, c'est super. Ouais, elle a démarré hier. Hein. La salle a l'air confortable. Ouais, assis-toi dessus, c'est super confort. Ouais, je me doute. C'est super confort. C'est un petit truc qui roule à fond. Ouais, ça c'est. C'est bien pour le coccyx. Ouais. C'est une 88 à la base. C'est une 88 à la base, ouais. Apparemment, il manque encore deux mobilettes. Ouais, je les ai croisés. Mais c'est Constant et son fils. Avec un peu de chavelot, tu les remets. Je veux pas. Faut que ça reste pourri. J'aime les mobilettes pourries, moi, en fait. Ouais. Regarde le cadre, comme il est tout abîmé partout et tout ça, là. Voilà, c'est bon. C'est quoi ce bordel ? J'attends depuis au moins une heure. Pour ceux qui se rappellent, c'est la petite Hard Rock que j'ai restaurée. Je te mettrai le lien de la vidéo, enfin des vidéos de la playlist. Roule bien. Bougie, putain, moi aussi je l'ai niqué l'une derrière les autres. Alors j'ai deux bougies et j'alterne en fait, tu veux. Quand il y a l'une qui perle, l'autre refroidit et ça tourne. Mais tu sais, c'est peut-être ça la panne que t'avais, que tu disais que des fois elle démarrait pas et qu'elle galérait à démarrer. C'est peut-être ta bougie qui t'est en train de rendre là, moi, tout simplement. Hein. T'as bien roulé, toi ? Ouais, ça va. T'as quoi sur le bord ? Eh oh, fais gaffe à ce que tu dis, toi. Fais attention. Parce que t'as de jolies dents, mais peut-être qu'après, elles sont plus si jolies que ça. Ouais, et puis après, il y a un machin, là, un autre qui est tombé en panne, qui a perdu la bougie. Ah ouais ? La durite de refroidissement. Ah, j'ai vu, ouais. Elle s'est desserrée. Il y avait une pièce dès le début, il y avait une pièce sur le côté, et il y a une autre qui s'arrêtait juste après. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que t'as eu pour ça ? La bougie qui a perdu. Combien la bougie Ben là, dès que je m'arrête, en fait, si tu veux, il faut que je la change parce que sinon elle ratatouille, elle veut plus redémarrer. Et si j'arrête pas, c'est bon, ça roule. Et j'en avais pas de bougie. C'est vrai, t'es un peu moins. J'en avais pas, on en a acheté deux avant de partir. C'est pas mal. Ouais. Je suis en train de faire un rodage en mode gros salopard. Parce que j'ai cru que j'avais perdu Aurélie, qu'elle était en panne par là. Parce que quand j'ai fait demi-tour, je l'ai doublé en fait, si tu veux. Et quand j'ai attendu à un niveau d'un virage, je l'ai pas vu. Je fais putain merde, elle a dû tomber en panne. Le carburant a dû se démanchonner. C'est bon, il a pas bougé d'un poil. Il a pas. Et donc j'ai fait demi-tour, mais jusqu'à loin. Et après, il a fallu que je revienne. Donc du coup, il a fallu décider un petit peu. Bon, ça va, parce que j'ouvre en grand le temps que le barrio se ferme. Et dès que le barrio est fermé, je stabilise à mi-gaz. Et je mets juste des coups d'accélérateur, si tu veux, pour la faire venir, mais je la maintiens pas dans les tours. Elle est en rodage, quoi. S'il te plaît, mon petit lapinou. Mon petit sucre d'orange. Merci. Mon petit sucre d'orange. J'avais kiffé la retaper, ta Hard Rock. Ah ouais. Ouais, j'avais kiffé la retaper et rouler avec. Ouais. Parce qu'en fait, ce que j'ai bien aimé avec ce mob, c'est que j'ai eu zéro galère. Tout s'est passé pépite. Par contre, c'est vraiment les galères. Si je retrouve un moteur d'AV10 là, ouais. Que je mets 70 bidalos dessus pour me le régler et tout. Mais il n'y a pas de 70 bidalos pour mon bidet. Si, je refais les carters, je sais pas comment et tout. Ah, mais un hybride. Ouais. Un hybride, ouais. Pour être honnête avec toi, j'ai plus vraiment trop le temps. Entre le boulot, mes trucs à moi. Ouais, mais c'est pas grave, regarde depuis combien de temps j'ai la EV à ton père. Ça va faire 2 ans que je l'ai bientôt. Non, ça va faire 1 an bientôt que je l'ai. Voilà, j'ai juste roulé un peu avec et fait la liste des pièces. Et commandé les pièces et tout. J'ai encore rien fait dessus. Donc c'est pas que je veux pas, mais en ce moment j'ai pas le temps. Elle roule bien, pas de trous, pas de nickel. Tu roules sur le filet de gaz, tu joues jamais en grand toi. Attends, t'as fait des petites pointes. Bien. Ouais, ouais,
Te moque pas mon car, parce que le retour de karma ça existe. Hein. J'ai déjà eu quand tu m'as prétendu que ma maman était en parfait état. Hein? Quand j'ai prétendu que quoi? Qu'elle était en parfait état et que j'allais pas avoir ceci. Ah oui. C'est pas connecté, tout est là. Et pas ta traque. Passe devant mon cœur. Tu te régales ? Ah, c'est cool. Yeah.
bientôt falloir que je change ma bougie moi. Merci Joe de m'avoir filé une bougie au fait, comme ça me permet de faire un roulement tu vois. Parce que je sais que tu regardes les vidéos en entier. D'ailleurs, il est fait tourner en boucle à l'atelier CPT. Concentration, professionnalisme temporaire. Ça, c'est vachement sympa. Ça fait des vues. Merci, Nico. En fait, je noie les bougies. C'est pas que je les fais perler parce que normalement, une fois qu'elle est perlée, elle est perlée. Sur l'autre. Oh putain. C'est pour de plat qui fait la malle.
Je jongle avec les bougies. Ça me trouver parce que je te vois avec encore faire le yo-yo un peu là, mais. Ah c'est un peu la galère mais bon. Pour le moment ça roule, on croise les doigts. Tant que ça roule. C'est ça. C'est par où ? J'ai vu d'Aurélie Sauvage arrêter au bord de la route, c'est quand même un conquérant roulait. Ça va ?
Ouais. Trop de puissance. La bougie. Hein? Non, c'est bon, t'inquiète, je me débrouille moi. Ton moteur il tourne encore. Donc on se retrouve avec Aden Moped, alias, j'ai toujours oublié ton prénom. Dédé. Dédé, voilà. Donc mais vas-y, présente-nous un petit peu ta société. Alors Dédé, d'Aden Moped, voilà, j'ai créé ma petite société maintenant, ça fait 3 ans. C'était juste un peu avant le Covid. Et voilà, mon job consiste à préparer les mobs, les customiser, les restaurer, faire des petites préparations moteurs, voilà, et tout ça dans l'univers de la mob, quoi. Et tu nous mélanges des cadres de 103 et de 51. Ah, c'est un peu, c'est un peu ma spécialité, c'est vrai, ouais. Je prends un peu de tout pour réconcilier un peu tous les mobeurs, quoi. Autant les mecs qui roulent un Peugeot qu'un motobécane. Ah, j'ai Messenger, enfin je suis sur les réseaux, quoi. J'ai Insta et j'ai Facebook, quoi. Ok, et je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Marche. À tout à l'heure.
Donc, comme tu as pu voir, on a fait la balade avec la 88. Elle marche bien. Mais par contre, tu vois, moi, je pensais que mes réglages carbu étaient complètement à côté de la plaque. Et vu que, comme tu sais, je suis une grosse bite en réglage de carburateur. Ah si, je suis nul à chier. Je suis nul à chier, il vaut mieux l'admettre, tu vois, dans ces cas-là. J'en parlais avec, du coup, ADN Moped, qui, lui, de par son métier, est censé être un peu meilleur que moi. Censé. Et bien, il a regardé, et impossible d'arriver à régler la carb. Donc, du coup, ben, seul le truc logique, c'est que ce soit l'allumage qui soit en faute. C'est bien ça que tu me disais. Que tu as rectifié, toi, que tu as ressoudé, c'est ça? Ouais. Voilà, moi, j'ai... Ouais, tout à fait. Moi, j'ai refait tout le câblage de l'allumage. Donc, soit il y a une bobine qui déconne, soit alors il y a une de mes soudures qui est soudure, qui est foire. Ouais, il y a trop de coupures franches, franchement, au ralenti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter tout simplement l'allumage qu'il y a sur la RATS, vu que lui, il fonctionne bien. Et si jamais, une fois l'allumage de la RATS monté, il n'y a plus de problème, c'est que mon problème est réellement mon allumage. C'est tout à fait ça. Tout à fait tiré. Donc on se retrouve le dimanche matin au préparatif de la course des 6 heures d'endurance de Mofrost. On est avec la team des nuls, avec Sylvain, voilà, qui me fournit les poulies pour les kits poulies lanceurs de chez Alias Auto Industrie. Donc gros merci à lui pour les poulies. Après on a Mike. Eric, et il en manque un. Et Alexandre. Alexandre qui est, ben on le verra après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la GoPro sur le casque de Sylvain. Il va faire le départ de la course, comme ça, on va pouvoir voir
tout ce qui se passe. Je vais essayer de faire en sorte que le GPS fonctionne, qu'on puisse voir à quelle vitesse il roule. Si jamais ça veut bien fonctionner, ça pourrait être sympa.
Allez.